Good morning, Aleïd, et ce sera aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai, Ben Yitzhak Vefani, Dvorah Bat Esther, et Jamil Tarab, les Bet Meslaton, ainsi que les Rufouat Avraham Ben Masoud, Bétor Shach, le Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous disons Maseret Yevamot, Perek Yud, Mishnah Dalet, Mishé Alcha, Ishto, Limdina Tayyam, ou Baou, Vamroulo, Meta Ishtecha, Benasat Achota, Vacharkach, Bat Ishto, Mouteret Lachazorlo, Hu Moutar Bikrovot Shnia, ושנייה מותרת בקרובה, והיא מתה ראשונה, מותר בשנייה. אמרו לו, מתה אשתך ונשאת אחותה, ואחר כך אמרו לו, קיימת הייתה ומתה. אבל עד הראשון ממזר, ואחרון אינו ממזר. רבי יוסי אומר, כל שפוסל על ידי אחרים, פוסל על ידי עצמו, וכל שאינו פוסל על ידי אחרים, אינו פוסל על ידי עצמו. משנה כיוון ופרלה דנובו, כמו סכונה, לפרנסיב דשאו עובר דפיל דבילי שפיטר, דון פעם כיסא, mari, femme, qui se sont mariés parce qu'ils avaient une certaine permission, dérogation, et puis finalement, il s'avère qu'ils étaient interdits parce que c'était sa belle-sœur, comme ce qu'on va voir tout de suite. La Mishnah, elle va être à 80%, très facile, mais à 20%, alors là, ça va être une Mishnah très dure à la fin. Je vous préviens, mais mes attachés, on va se débrouiller pour l'expliquer tant bien que mal, et sans trop tirer le cours. On commence d'abord avec le cas, il est relativement simple. Michal Chayl, il shtolim dinatayam, celui qui a eu sa femme qui est partie à l'étranger. Elle est partie pour 6 mois, par exemple, mais à un certain moment, elle a commencé à un peu trop traîner. Ubaou va Amroulo, et on est venu et on lui a dit que Meta Ishtera, sa femme est morte. Maintenant, dans sa misère, en traînant un petit peu, Venasa Tachota, finalement, il s'est marié avec sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Ouais. La femme, la sœur de la femme, après le décès de la femme, on a le droit de se marier avec sa belle-sœur. C'est ce qu'il a fait. Et ce qui s'est passé, c'est que Vaharkar Batishto, après quelques temps, finalement, sa femme, elle est quand même revenue. Il s'avère que maintenant, il est marié avec sa belle-sœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien de grave. Bien sûr qu'il y a des choses de grave, il faudra porter des corbanotes, peut-être. Mais en tout cas, Mouteret Lachazor Lo, il a le droit de repartir, se marier avec sa femme. Par exemple, donc, on va reprendre un cas avec des noms, c'est important pour la fin de la Mishnah, sinon on va s'embrouiller. Retenez, Resh, Resh, Reuven, Maria, Rachel, d'accord? Reuven, il est marié à Rachel, et la sœur de Rachel, bien sûr, vous la connaissez, c'est Léa, bien sûr. Donc en fait, il y avait Reuven, il était marié avec Rachel. Rachel, elle est partie à l'étranger. Elle traîne. Elle ne revient pas. On lui apprend que sa femme, elle est morte. Deux témoins qui viennent, comme dit le Mortanora. Deux témoins qui viennent. On lui apprend que sa femme, elle est morte. Après quelques temps, il décide finalement de se marier avec Léa, sa belle-sœur. C'est très bien, comme ça, ça va l'aider à éduquer les enfants et tout ça. Parfait. Et finalement, Rachel débarque. La Mishnah m'enseigne, Moteret Lachazorbo. Reuven a le droit de se remarier, de reprendre de nouveau sa femme Rachel. Et bien sûr, Léa, ben, là, il faudra porter un corban, comme ce qu'on avait appris. Ils sont mariés par erreur, c'était un cas d'inceste. Très embêtant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, Léa, donc ils devront apporter un corban quand s'il y avait le Beth Amikdash, mais il repart vivre avec Rachel. Et mieux que ça, Hu Mutar Bikrovot Shnia, ou Shnia Mutar Bikrovav. Il n'y a rien eu qui s'est passé entre Reuven et Léa. De ce fait, Reuven a le droit de se marier avec les proches de Léa, et Léa a le droit de se marier avec les proches de Rachel. C'est-à-dire, en deux mots, tout simple, par exemple, la fille de ma femme, elle m'est interdite à moi. Imaginez, ma femme, elle est mariée avec un autre, c'est une divorcée, elle avait déjà un autre enfant. Sa fille qu'elle a eue, je ne peux pas marier avec elle à partir du moment où je suis marié avec sa mère. Pourquoi? Parce que, j'ai pas le droit de marier Isha Ubita. Une femme et sa fille, c'est interdit sur un cas d'inceste. Mais si j'ai fait par erreur, je me suis marié avec une femme. Donc, il s'avère que maintenant, cette femme, elle ne m'est pas interdite. De ce fait, j'ai même le droit de me marier avec sa fille, puisque sa fille, c'est pas la fille de ma femme. C'était un cas de znout uniquement, et on a le droit de se marier. De ce fait, c'est ce que la Mishnah m'enseigne. Quand finalement, imaginez qu'au bout du compte, Rachel va divorcer, Alors Rachel va mourir, par exemple. Finalement, sa femme, quand elle va revenir, ils vont vivre ensemble. Quelques années après, Rachel va mourir. En fait, il n'y a rien qui s'est jamais passé entre Reuven et Léa. De ce fait, Reuven, il pourra se marier avec Léa, bien évidemment. Même Léa avec Rachel, il n'y a aucun problème, ils pourront se marier ensemble. Et même mieux que ça, la fille de Léa, elle sera permise à Reuven. Le fils de Reuven, d'une autre femme, il pourra se marier avec... pas de Rachel, ouais, parce que sinon c'est sa tante. Mais la fille de Reuven avec un... Le fils de Reuven, il pourra se marier aussi avec Léa, sans aucun problème, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de mariage
concret qui s'est passé entre Reuven et Léa. C'est clair, pour le moment tout va très bien. Ce qu'on a dit donc, ou Mutar Bikovot Shnia, lui il est permis dans les proches parents de la deuxième femme, de Léa, ou Shnia Mutaret Bikovav, et Léa elle est permise dans les proches parents de Reuven, à condition qu'il ne soit pas proche parent par rapport à sa sœur, bien évidemment. Maintenant, à part ça, parce que la Mishnah me continue, elle me dit, Veimetarishana, Mutar Bashnia. Et si toutefois la première femme, donc Rachel, va finalement mourir, Mutar Bashnia, il a le droit, Reuven lui-même a le droit de se remarier avec Léa. D'accord? Maintenant, nouvelle situation, même principe. Amru lo meta ishtecha venasat achota. Rachel, elle était en Chutz Laaretz, à l'étranger, et on est venu, on lui a appris que sa femme, elle est morte. Venasat achota, il s'est marié avec Léa. Et après 2 ans qu'il est marié avec elle, donc ça s'est passé en Tavshin P, 5780, on a dit que sa femme, elle est morte, 5781, il s'est marié avec sa belle-sœur. Et maintenant, on est en 5783, d'accord? D'Achinkar, Amroulo, et après, on est venu, on lui a dit, oi, 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 tu t'es marié en 81? Kayemet, Aïta, elle est encore vivante. Vameta, elle est décédée après, en 5782. Donc, il a passé un an avec une femme, c'était en fait sa belle-sœur, c'était un cas d'inceste très grave. Au bout du compte, sa femme, elle est décédée, donc maintenant, cette proche parente lui devient permise. Alors la Mishnah me dit, bah écoute, si quand il s'est marié, il a eu 2 enfants. Un qui est né en 81, je ne sais pas, on va vous donner date, mais c'est pas grave. Un qui est né en 81 et l'autre qui est né en 82. Qui a été fécondé aussi dans 81 et l'autre qui a été fécondé en 82. Donc Avlad Arishon, Mamzer, le premier qui est né, le premier petit qui va naître de cette union, c'est un Mamzer, c'est un bâtard, puisqu'il a eu un rapport avec sa belle-sœur alors qu'elle était interdite. Mais Acharon est un Mamzer, mais le deuxième n'est plus un Mamzer. Ok, c'était clair jusque-là. Maintenant, attention, ça va se corser, très violent. Rabbi aussi Omer, le problème, je suis devant, juste comme ça, je ne fais pas trop peur. La difficulté en général dans les Mishnayot, c'est quand on n'a pas assez de mots pour contenir tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, on va avoir une phrase qui apparemment, on a du mal à la situer. Pour pouvoir comprendre cette phrase, la Gemara, elle a dit qu'en fait, il a parlé complètement d'autre chose. Ouais, c'était fréquent dans les Mishnayot. En fait, il y a des Mishnayot, c'était souvent des notes qu'on notait sur des avis pour qu'on se souvienne que lui, il a dit telle chose ou telle chose. C'est fini qu'en réalité, on n'a pas assez de mots pour comprendre ce qui est écrit. Pour pouvoir expliquer ce qui est écrit, il va falloir créer toute une histoire pour comprendre de quoi il parle. Cette histoire, elle va déjà être relativement complexe, mais là, on va pouvoir s'en sortir. Mais pour pouvoir admettre l'histoire, il va falloir ensuite quelques introductions, peut-être 2-3 introductions. Vous voyez à peu près, sans compter qu'à part ça, une des introductions, on va un petit peu contredire ce qu'on a dit en haut. Mais ça, on ne va pas rentrer dans les détails là, sinon ça va faire vraiment trop lourd. Bezrat Hashem, allez, on plonge ensemble, et vous allez voir que ça va aller. Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi me dit une phrase comme ça. 2 minutes. Là, il y a Reuven que Rachel, elle est partie, il s'est marié avec Léa. Et tu me dis qu'après, quand Rachel revient, il peut se remarier avec Rachel, et au pire, quand Rachel va décéder, il pourra même se marier avec Léa. Moi, je te limite. Ça ne se passe pas aussi facilement. Je te dis une phrase comme ça. Kol she posel al yedei acherim, posel al yedei atzmo. Kol she no posel al yedei acherim, et no posel al yedei atzmo. Si, en se mariant, Reuven, en se mariant avec Léa, il a rendu Léa interdite à quelqu'un, alors, il s'est lui aussi interdit, sa femme et Léa. Mais si, en se mariant avec Léa, il ne l'a pas interdite à quelqu'un d'autre, alors il pourra se remarier avec Rachel, et en cas de nécessité, se remarier avec Léa. Si toutefois Rachel va décéder, et après vouloir se marier avec Léa. Vous avez retenu le principe? La phrase, elle ne fait pas tellement peur. Si toutefois, bon, donc il s'est marié avec Léa, et après coup, quand Rachel débarque, avec peut-être quelqu'un d'autre, ça va être là le dénouement, il s'avère que maintenant, on va lui dire, écoute, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas interdit cette femme à quelqu'un d'autre, toi tu peux te remarier avec Rachel. Mais si tu as interdit cette femme à quelqu'un d'autre, alors tu ne pourras plus te marier avec Rachel. Bon, c'est qui ce quelqu'un d'autre? En fait, il y a 2 situations. Là, il va falloir... Je vais d'abord poser le cas. Jusqu'à maintenant, on va expliquer pourquoi. Il y a d'abord deux cas de figure. Il y a le cas où, en fait, on parle que cette Léa-là, elle était aussi mariée à quelqu'un d'autre. Et qui était aussi partie en Chutz Laaretz.
au même endroit ou ailleurs, on s'en fout, c'est pas le problème. D'accord? Et après, elle a appris aussi que son mari, il était décédé. Donc en fait, Léa, elle était mariée, donc je trouve elle un nom, elle était mariée à Lévi, un étranger, je sais pas, Joseph, d'accord? Léa, elle était mariée avec Joseph, et on apprend aussi que Joseph aussi, il est mort. Et elle a appris que Joseph, il est mort. Et donc Léa, elle était la pauvre, une veuve, et lui, un veuf. Et finalement, ils se connaissaient, ils savaient que finalement, ils s'entendent bien. Ils sont mariés ensemble. Et après coup, on a à la fois Monsieur Joseph et Madame Rachel qui débarquent tous les deux. Voilà le cas. Selon le cas maintenant, alors il va y avoir deux cas de figure. Un cas où on va dire à Réhouven, tu sais quoi? Tu peux pas maintenant t'en sortir comme ça et reprendre ta femme normalement. Tu es obligé de donner un guet à Léa. Et il y a une autre situation où on va dire, tu n'es pas obligé de donner un guet à Léa. Il n'y a pas besoin de donner un guet à Léa. Parce que tu n'as jamais été marié avec elle. Enfin, dans les deux cas de figure, c'est-à-dire, objectivement parlant, il n'a jamais été marié avec Léa. Parce que sa vraie femme, c'est Rachel. Donc Léa, c'était du znout be'alma. C'était un rapport extra-conjugal interdit, mais rien de plus. Il n'a jamais marié Léa. Mais malgré tout, dans une certaine situation, on va lui dire, tu sais, tu es obligé de donner un guet à Léa. Et dans une autre situation, on va lui dire, tu n'as pas besoin de donner un guet, tu reprends ta femme. Et si toi tu reprends ta femme, Léa aussi elle pourra même repartir avec son mari. Et donc, selon le cas, si toutefois tu donnais un guet à Léa, puisque tu donnais un guet à Léa, sache que Léa, tu l'as interdite à son mari, tout ce que tu vas interdire la femme à son mari, toi tu ne pourras plus la reprendre. Tu ne pourras plus reprendre Rachel. Mais si toutefois tu as besoin de donner un guet à Léa, donc Léa tu ne vas pas l'interdire à son mari, toi, tu auras le droit de reprendre ta femme Rachel, et au cas où Rachel va décéder, et Léa, son mari, va décéder, tu vas ensuite même reprendre Léa aussi, toute la Mishnah l'est permise. D'accord? Maintenant, de quoi on parle précisément? C'est pas compliqué en réalité. Il y a, en fait, on parle d'un cas, que deux cas de figure. Soit Léa, elle était juste fiancée, attendez que je ne me trompe pas, une seconde, non, c'est ça. Soit Rachel, elle était fiancée, c'est pas Léa. Soit Rachel, elle était juste fiancée à Réhouven, ou soit Rachel, elle était mariée à Réhouven. C'est-à-dire, ça, par rapport à la Torah, ça change rien. Vous savez que chaque fois qu'on fiance une femme, on a déjà dit, on lui donne des kiddushin et ça devient une vraie femme mariée dans la mesure où celui qui va avoir un rapport avec elle et tout ça, c'est une femme qui a un statut de femme mariée. Juste, le mari n'a pas encore le droit de se marier avec elle tant qu'il n'a pas fait la choupa avec les chevaux brachot. Il n'a pas le droit de vivre avec elle, concrètement. Mais en tout cas, ça devient une femme juridiquement mariée, que si elle a un rapport avec quelqu'un, elle va avoir un mamzer et tout ça. D'accord? Maintenant, il faut savoir. Un cas qui n'est pas du tout en rapport avec Yevamot, qui est plus en rapport avec Ktubot, qui est la Magma, elle parle longuement de ça. Bah, la tatnaï, une femme qu'on marie avec condition. Par exemple, imaginez quelqu'un qui pose des conditions avec sa femme. Je te marie, mais à condition que... toutes sortes de situations. À condition que tu es comme ça et tu es pas comme ça. À condition que tu n'es pas par exemple, que tu n'es pas des défauts, par exemple. Si toutefois il se marie avec elle, en fait, c'est vrai qu'il lui manque un petit doigt de pied, par exemple, il s'avère qu'elle n'est pas mariée. Il a posé des conditions comme ça. Toutes sortes de conditions. Il avait des doutes. La femme, elle lui a dit, non, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis bien. Elle lui dit, c'est quoi, moi, je me marie. Le doigt de pied, il peut regarder les doigts de pied, en réalité. Mais... D'accord, mais imaginez, il y a comme ça des moumines, toutes sortes, elles ont l'impression qu'elle n'a pas de maladie. En fait, elle a une maladie. Ça s'appelle une baalat atnaï. Elle a fait des tnaïm. En théorie, toute chose que vous faites avec condition, si la condition n'est pas réalisée, d'accord, il s'avère que ça annule l'action. Si Shakir se livre, mais à condition que vous posez la condition, à condition que demain vous partez en vacances. C'est pour ça, en fait, que vous l'endez. Mais si toutefois, vous ne partez pas en vacances demain, ben la vente s'annule. J'ai acheté le livre aujourd'hui, j'ai commencé à l'utiliser. Demain, vous ratez l'avion, vous ne partez pas en vacances, il s'avère que la transaction s'annule. Même principe avec une femme. Lorsqu'on se marie avec une femme, on peut lui poser aussi une condition. Mais il faut savoir que, en général, à partir du moment où on va... C'est bien pour les kiddushin. Si on se fiance avec une femme, alors les conditions marchent. Mais dès qu'on va se marier avec la choupa, et qu'on va se marier avec la femme concrètement, qu'on va vivre avec elle... Sauf, si on l'a précisé explicitement une deuxième fois, toutes les conditions s'annulent. Pour quelle raison? C'est une chazaka qu'un homme, il ne veut pas se marier avec une femme avec des conditions. Pour quelle raison? Imaginez que j'avais posé une condition à ma femme il y a 20 ans quand on s'est marié,
et qu'au bout du compte, la condition s'annule. Alors quoi, j'ai vécu en concubinage avec une femme, ça n'a jamais été ma femme. Nos enfants, ils sont nés d'une relation extra-conjugale. Un homme, il ne veut pas... Un homme ne veut pas faire qu'il vit avec une femme en concubinage pendant des années. C'est sûr que dans son inconscient, dans sa conscience profonde, quoi, son intention profonde, elle est qu'en réalité, au moment où il va passer au mariage et qu'il va se mettre à vivre avec sa femme, il annule toutes les conditions. D'accord? C'est-à-dire, en fait, je résume maintenant, lorsque je fais des conditions avec une femme, ça marche pour toute la période où vous êtes fiancé, mais dès que tu te maries avec elle, tu annules les conditions. Ok? Maintenant, je vais apprendre une chose. En l'occurrence, lorsque je... Imaginez maintenant, on va prendre un cas simple. Pour le moment, il n'y a pas de beau-frère. Léa n'était pas mariée avec personne d'autre. On va parler du cas le plus simple possible. Ma femme, Rachel, elle est partie en Khoutzlaritz. Et donc, comme ce qu'on a appris dans la Mishnah, on apprend qu'elle est morte, et je me marie avec sa sœur Léa. D'accord? Après, Rachel débarque. En réalité, il faut savoir que si, toutefois, Rachel était juste fiancée à moi, Rabbi aussi me dit que je suis obligé de donner un guet à Léa. Parce que les gens, ils vont se dire que quand Rachel elle est partie en Khoutzlaritz, et qu'après tu t'es marié avec Léa, les gens ils vont pas comprendre que tu t'es marié avec Léa parce que tu as appris qu'elle est morte. Non. Les gens ils vont dire, ah, parce qu'en réalité, tu avais posé une condition, et finalement la condition elle s'est paralysée. Tu avais posé comme condition qu'elle soit riche, qu'elle soit je sais pas quoi, finalement elle était pauvre, qu'elle avait au moins un compte en banque comme ça, et puis après elle avait pas de compte en banque. Donc finalement, le mariage avec Rachel s'est annulé, c'est pour ça que tu t'es marié avec Léa. Il y avait un tenaille. Si tu étais juste fiancé avec Rachel, donc les gens ils vont dire qu'en réalité, quand tu t'es marié avec Léa, tu t'es pas marié avec Léa parce que Rachel elle est morte. Tu t'es marié avec Léa parce que parce que tu avais posé une condition qui n'a pas été réalisée. Et si la condition n'a pas été réalisée, tu peux te marier ensuite avec Léa. Dans ce cas-là, quand Rachel va revenir, tu vas être obligé de donner un guet à Léa. Premièrement, tu vas être obligé de donner un guet à Léa. Maintenant, grand problème, si tu donnes un guet à Léa, parce que les gens ils vont dire que c'était ta femme, ah, tu donnes un guet à Léa. Si tu donnes un guet à Léa, il s'avère que maintenant, Rachel, c'est la sœur de ta divorcée. Tu ne pourras plus te remarier non plus avec Rachel. Donc en fait, on se retrouve dans une situation un petit peu spéciale. Si Rachel, elle était juste fiancée à Réhouven, quand elle est partie en Khoutzlaritz et que Réhouven s'est mariée avec sa femme, avec sa sœur, si, quand Rachel va revenir, il s'avère que maintenant Réhouven ne pourra plus se marier ni avec Rachel ni avec Léa. Parce qu'il devra impérativement donner un guet à Léa, et à cause de ça, il va interdire sa femme Rachel. Mais si toutefois il était bien marié avec sa femme Rachel, donc il n'y avait pas de condition, les gens vont dire « Ah !» Réhouven, il s'est marié avec Léa, alors que Léa et Rachel elle était vivante. Ils vont tout de suite s'intéresser, ils poser des questions, qui s'est passé, ils vont comprendre qu'en fait, Rachel était partie, elle avait disparu, portée disparue, finalement il s'est marié, puis après on s'était trompé. Dans une situation pareille, il ne devra pas donner un guet à Léa, il pourra se marier avec Rachel, et il ne devra pas donner un guet à Léa. Jusque-là, ça va, ben maintenant, vous allez tout comprendre, c'est plus compliqué. Imaginez qu'en réalité, il y avait en plus de ça, la pauvre Léa, elle était aussi mariée avec un mari, qui est aussi parti en Khoutzlaritz. De l'autre côté du globe, ça changeait en problème. Et que finalement, elle a pris aussi avec un témoin, Edechad par exemple, pour éviter quelques problèmes, elle a pris aussi que son mari elle est mort. Donc ils se sont tous les deux inscrits dans le club de rencontre des veufs. Lui, parce que sa femme elle est morte, et elle aussi. Après le chatran, il dit « Waouh, vous êtes tous les deux de la même famille, venez je vous fais un jidour. » Parfait, non? Donc ils se marient ensemble. Et après, il va y avoir maintenant, avec un témoin ou deux témoins, c'est compliqué ce point. D'accord, et après finalement, tous les deux débarquent. Alors maintenant, regardez là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, si... Alors là, c'est là où la Michal va me dire. Si puisque maintenant, Réhouven... Alors, si on est dans une situation où Réhouven doit donner un guet à Léa, hein, parce qu'en fait, en réalité, Rachel, elle était juste fiancée. Et les gens, ils vont se dire, ah, donc en fait, quand il s'est marié avec Léa, il s'est marié avec Léa de manière permise. Pourquoi elle s'est mariée? Il y avait aussi son mari qui était en route à l'arrêt, etc. Parce que sûrement son mari l'a divorcé. Donc en fait, on se retrouve dans une situation maintenant. Réhouven, il va être obligatoirement, il va devoir donner un guet à Léa. S'il va donner un guet à Léa, il va interdire Léa à son mari, à son mari, on a dit Joseph. Et quand il va lui donner un guet, il va interdire à la fois Rachel. Alors, puisque, quand je possède la Léa, possède la Léa, puisque maintenant, quand tu dois lui donner un guet, puisque quand tu veux lui donner un guet, elle pourra plus se remarier avec son mari. Parce que là, maintenant, à cause du guet, les gens vont dire qu'en réalité, Joseph,
il avait divorcé sa femme avant de partir à l'étranger. Quand ensuite il s'est marié avec elle, il s'est marié parce qu'il s'est marié avec sa belle-sœur qui était divorcée d'un autre, tandis que sa femme, elle était décédée. Tandis que sa femme, il y avait une condition. Et il s'avère que maintenant, Joseph ne pourra plus reprendre sa femme, Rachel. Donc tu es possède à l'Edacherim, tu l'interdis à quelqu'un d'autre, toi tu ne pourras plus la reprendre pour toi. Et ta vraie femme, parce que maintenant, le guet que tu donnes, ça va être un guet qui prend une allure aux yeux des gens, une vraie allure de guet, que tu divorces ta femme. Puisque maintenant tu divorces ta femme, tu ne peux plus te marier avec sa sœur. Ouais. Mais par contre, si toutefois, il n'y avait pas besoin de lui donner un guet, il n'y avait pas besoin de lui donner un guet à cette femme, pourquoi il avait besoin de lui donner un guet? Parce que toi, tu étais marié avec Rachel. Et on sait très bien que si tu étais marié avec Rachel, ce que tu as marié Léa, c'est une pure erreur. Il s'avère que maintenant, ton mariage n'a pas interdit Rachel. Tu n'as pas besoin de lui donner un guet. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas interdit Léa. Tu n'as pas besoin de lui donner un guet à Léa. Dans ce cas-là, tu pourras prendre toi, Rachel. Parce qu'en réalité, alors c'est là maintenant la difficulté, maintenant on a compris, la Mishnah elle est claire, plus ou moins, maintenant il y a la petite difficulté qu'il faut bien comprendre de quoi on parle, parce que, ça veut dire quoi? Mais on avait appris que quand le mari y revient, quand Joseph il va revenir, de toute façon sa femme va lui être interdite. Ouais, parce qu'elle s'est mariée avec Or. Sauf si on va dire qu'en réalité on parle, par exemple d'après l'avis qui pensait en haut, que si elle s'est mariée avec deux témoins, alors elle avait le droit de se marier, et puis sa femme elle a le droit de lui revenir. Bon, d'accord, on a compris le principe. C'est les petits détails après, pour bien boucler toute l'histoire, les petites finitions sont un peu compliquées, c'est vrai. Mais l'idée, en tout cas, vous avez bien compris, Bezrat Hashem. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tzlacha Kol Tov.